Et salut à tous les amis, c'est Mofu et aujourd'hui nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale dans laquelle j'ai présenté la nouvelle petite boutique et une nouvelle pioche inédite. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important, bientôt les 5000 abonnés, merci à tous ceux qui s'abonneront. Et aujourd'hui comme j'ai dit, on va parler directement de la nouvelle boutique. Il y a quand même pas mal de nouveaux objets assez cool et assez chouettes. Donc j'espère que ça vous plaira. D'ailleurs, si vous achetez des trucs dans la boutique, on n'oublie pas les amis, regardez le petit code créateur, moi fou détirer votre petite boutique. Merci à tous ceux qui le feront. Donc les amis, on va parler directement de la nouvelle petite pioche. Donc aujourd'hui, il n'y a que ça qui est nouveau. Donc je vous invite vraiment à rester sur toute la vidéo. Voilà, comme ça, ça fait plaisir. Donc merci à tous ceux qui le feront. Et aussi, on n'oublie pas le petit like. Ça fait tellement plaisir d'un petit like. Et merci à tous ceux bah, voilà, qui le feront. Objectif, 10 likes. Voilà, c'est pas grand chose, mais merci à ceux qui le font. Donc c'est parti, let's go. On va parler directement de la nouvelle pioche, d'où le titre de la vidéo. Elle est là, poisson frais. Franchement, elle est assez stylée, j'aime bien. Elle est pas dégueulasse du tout. Après, hein, qu'ils aiment bien, qu'ils aiment pas. Tu vois, quand on les bouge, tu vois, ils bougent comme si c'était de pâte à modeler, tu vois. Franchement, j'aime bien. Assez stylé. Donc là, chapitre 2, saison 2, pour 800 petits V-Bucks. Après, je sais que pour 800 V-Bucks, c'est vrai qu'il y en a qui vont se dire, ouais, ça fait un peu cher et tout ça. C'est vrai que 500, ça serait moins cher, voilà. Surtout que ils sont pas non plus hyper ouf. Mais voilà. Après, il faut aimer, quoi. Donc, 800 petits V-Bucks. Après, moi, je trouve ça plutôt rigolo. D'ailleurs, j'avais acheté, moi, les poissons congelés. Donc voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi si j'ai une petite note à mettre sur 10, j'y mettrais du 8 sur 10. Voilà, donc dites-moi en commentaire comment vous mettrez sur 10. Vous savez, là, au niveau de là, il y a aussi de l'eau qui coule. D'ailleurs, on va écouter le son. Ah, le son est pas dégueulasse. Le son est assez stylé, j'aime bien. On dirait qu'on met des petites bifs. Donc voilà, 8 sur 10, dites-moi en commentaire comment vous mettrez, après à vous de voir. Ensuite, la petite pioche qui fait son petit retour pour 500 V-Bucks de la saison 7. Elle est trop stylée cette pioche là. D'ailleurs, allez hop, on achète. Pas de chichi. Franchement, je l'aime bien, elle est hyper stylée. Donc voilà, comme ça, je l'ai aussi. Le petit planeur à 800 V-Bucks de la saison 7. Ok, bon, il est pas hyper ouf non plus. Donc voilà, ensuite, le petit poisson qui refait son retour. Et ce poisson là, franchement, je le kiffe de ouf. Il est vraiment trop stylé. Mais je l'achète pas. Voilà, je vais attendre la nouvelle saison passe, on sait jamais, peut-être qu'il y aura des nouveaux trucs et tout ça, donc voilà. On a plusieurs styles aussi dessus, comme ça et comme ça. Donc voilà, pour 1200 V-Bucks, dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà acheté ou pas du tout. Ensuite les amis, c'est autour de ce petit skin là de la saison 1, chapitre 2, pour 2000 petits V-Bucks avec son petit sac à dos, voilà l'univers. Et un petit revêtement d'armes pour 500 V-Bucks, chapitre 2, saison 1, qui est d'ailleurs assez stylé, comme on peut le voir sur les différentes armes. Moi j'en ai un qui j'ai acheté 500 V-Bucks qui est à peu près pareil, donc voilà. Ensuite, un petit skin aussi de la saison 7 pour 1200 V-Bucks avec plusieurs styles comme ça ou comme ça. À vous de voir. Voilà, pour 1200 V-Bucks les copains. On a aussi cette petite danse là qui refait son retour pour 200 V-Bucks chapitre 2 saison 1. Cette danse là, saison 3, 800 V-Bucks. Elle est très stylée, je crois qu'elle est sortie au moment d'Halloween. Je ne me rappelle plus trop, mais je crois que c'est ça. Un petit skin triard pour 800 V-Bucks de la saison 2. Donc ça, c'est des skins assez simples et assez basiques pour voilà les petits tournois, tout ça. Donc voilà. Ensuite, un autre skin de la saison 1 pour 1200 V-Bucks qui est assez stylé aussi. Une petite danse qui a fait son retour de la saison 1, voilà, pour 200 V-Bucks. Je pense que la plupart des gens l'ont déjà celui-là. Donc voilà. Par contre, il y a un truc chelou là. Au niveau de là, ouais, ok. Bon. Hop. Attends, je vais refaire ça, voilà. Ensuite, les amis, on a aussi la petite boutique de Ninja. Voilà, le skin. On a le petit sac à dos, la pioche et la petite danse pour 2000 V-Bucks. Aperçu des styles comme ça, comme ça, comme ça ou comme ça. À vous de voir, voilà, pour 2000 V-Bucks. Ou vous pouvez acheter le skin tout seul avec son sac à dos. Pareil, vous avez le style qui est avec aussi. Ou alors, vous pouvez acheter directement soit la petite pioche pour 800 V-Bucks. Ou alors, cette danse-là. À vous de voir. Donc voilà, la vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, et puis à demain pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite, en espérant qu'il y aura des nouveautés de plus en plus. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, attendez, je vais juste faire ça, je vais juste prendre la petite pioche, sauvegarder, hop. Je l'aime bien celle-là, il y a beaucoup de joueurs triades qui l'ont. Pour ceux qui ne savent pas les copains, regardez ici, on a exactement 6 jours et 17 heures. On ne sait pas ce qui va se passer, est-ce qu'on aura une nouvelle saison passe, et bien écoutez, ça serait cool. Mais voilà, s'il y a un chrono là, c'est qu'il va y avoir quelque chose d'assez cool. Donc voilà, je vous dis ciao, portez-vous bien et à la prochaine les amis.